Hey les amis, c'est Squad et c'est aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur le Let's Play Pokémon Soleil hashtag 4, épisode 4. Et oui, on est à l'épisode 4 et aujourd'hui on va affronter cette madame. Mince, pourquoi j'avais lancé ça? What? Mais je m'en fous. Je m'en fous. Allez, hello. Ça a bugué. Ah, ok, bon. Du coup, on va affronter la prof, celle-là, voilà. Mais par contre, il y a un truc, c'est que j'ai pas soigné mes Pokémon. Bon, c'est pas grave. Enfin, mon Pokémon. Explosé, bravo, franchement, je n'en reviens pas. J'ai battu tous mes élèves, je ne peux pas rester libre ballon, je dois tester ton niveau personnel. On l'avait déjà lu ça. Accorde-moi un combat. Et cette fois, on va dire oui. Allez. Bien, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Allez, c'est parti. C'est parti, on va monter un peu le son. Voilà. Samy à la preuve veut se battre. Eh bien, on va se battre. Un Magnéti. Elle a deux Pokémon, ok. Magnéti. Est-ce qu'on va se le faire facile ou pas? Allez. On va essayer Flamèche. Yeah! Fermeté de Magnéti. On le aurait fait un one shot, mon gars. Non, pas paralysé. Allez, griffe. Bim. La vive griffe. C'est hyper important, la vive griffe. Ok, c'est bon. En vrai, j'ai de l'avance, je suis niveau 12. Un Meowth d'Alola. Ah, je veux même pas te combattre, toi. Vas-y, dégage. Je déteste ce Pokémon. Je sais pas, il est bizarre. Pourquoi ils ont fait ça? Oh, tu vas te calmer. Oh, mollet, hein. Attends, mais c'est chaud, là. Hein. La vive griffe. Ça va, on attaque. Est-ce que j'ai gagné? Allez. Ouh, sinon je serais mort. Ok, c'est bon, j'ai eu chaud. Ouh, c'est bon. Sensationnel. 432 Poké de l'art. Tu ne veux pas venir enseigner ici? Mais non, je rigole. Tiens, pour la peine, c'est encore mieux qu'une image. C'est quoi? Vous recevez 5 Super Balls. Ok, merci. Tac. Avec les Super Balls, c'est encore plus facile d'attraper les Pokémon qu'avec une Pokéball. Un dresseur qui connaît son équipe à fond, c'est un combat à moitié gagné. T'en penses quoi? C'est qui, lui? Alteo, il s'appelle. Salut, petit. Je me présente, je suis le capitaine Alteo. J'observe tes combats et je dois dire que tu te débrouilles bien pour un débutant. C'est ce petit prodige, c'est Explodé, il vient de Kanto. Accroche-toi à tes bijoux dits, parce qu'il irait loin, vu comment il gère. Je vois, bienvenue alors. Puisque tu gères, autant que ça vient donc tenter mon épreuve. Oh, une épreuve! Notre première épreuve! Il faut relever l'épreuve du capitaine de l'île avant de pouvoir défier le doyen. Et l'épreuve du grand capitaine Alteo se passe dans la grotte verdoyante. Mais un conseil. Tout de même, avant de venir me voir, constitue-toi une bonne équipe. Ce n'est pas les hautes herbes qui manquent à Ika. Tu n'aurais qu'à te baisser pour glaner quelques Pokémon. Moi, je veux un Pichu, s'il vous plaît. J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Et aussi, si possible, un Rocabo. Et je sais que le Rocabo, je vais pouvoir l'avoir. Je sais où il se trouve. Il se trouve, justement, dans la grotte verdoyante. Enfin, pas dans la grotte, juste après la grotte verdoyante. Voilà, dans des herbes. Ah, j'ai signalé que le Tauros bloquait encore la route en bas. Je sais pas si t'es au courant, mais ce Tauros est une vraie star, hein, mêlée. Explodé, je crois que nous n'avons plus rien à t'apprendre. Bon vent. Ding, ding, dong. Ok. L'apprentissage du Explodé est terminé. Ah ouais, j'ai un apprentissage spécial pour moi, tu vois. Le truc, c'est de bien s'entendre avec ces Pokémon. Aime-les et ils te rendront, je sais pas, j'ai pas eu le temps de lire. Et surtout, fais attention à ceux qui souffrent d'une altération de statut. Bonne chance pour le tour des îles. Merci les amis. Amuse-toi bien et fais-toi tout plein d'amis. Merci. Mets en pratique ce que tu as appris pour accomplir ton tour des îles. Profite bien de cette belle aventure et bonne chance, futur lauréat.
Et surtout, n'oublie pas les CT. Rends ton Pokémon super fort. Montre-leur au Forb qui est le. Pourquoi je dis au Forb? Qui est le meilleur. Quelle belle démonstration de travail d'équipe et de synchronisation avec Flamiaou. Si tu veux, je peux te servir de guide dans Eka Eka. Suis-moi. Au revoir. Je reviendrai plus jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'adore la musique. X3DC par ici. Ah, je pourrais l'écouter toute la journée cette musique. Ok, bon, j'arrête. Tu t'es vraiment bien battu à l'école. C'est impressionnant de voir une telle symbiose entre ton Pokémon et toi. Tu t'es lancé à la rescousse de Doudou alors que tu n'étais pas encore dresseur. Et ton Pokémon, on voit bien qu'en fait, c'est quasiment lui qui t'a choisi. Je comprends pourquoi les Pokémon t'aiment tant. Oh, j'avais oublié le Tauros. Moi, je sais à quoi il sert le Tauros. Il sera à nous. Et oui, la Pokémon tue, les gars. Je vous spoil tout. C'est quand que je le prends, mon Tauros, là? Oh oh oh! Mais qui voilà, ma petite Lily et mon petit Geeks Pro DC. Ce gros bêta de Tauros vous fait peur? Ne vous en faites pas, il est entre de bonnes mains. Tu veux peut-être le caresser, Geeks Pro DC? N'hésite pas, tant qu'il est de bon poil. Oui, je veux le caresser, moi. Ross! Ok. Ha ha ha! Il aime ça, ce gros filou. Les Pokémon sont comme nous. Ils aiment qu'on prenne soin d'eux. Ça leur fait du bien, au moral. Les enfants, vous allez partir à l'aventure, découvrir les lieux incroyables, des gens formidables et des Pokémon uniques. Toutes ces rencontres vont vous changer la vie, sachez en profiter. Les doyens, c'est vraiment trop bien. Ils se font obéir sans même avoir besoin de combattre. Je veux dire, j'aime bien Tauros, mais j'aurais trop peur de lui grimper sur le dos. Hey! Dites, vous allez où? Comme X3DC ne connaît pas Eka Eka, je lui ai proposé de lui servir de guide. Ça, c'est vraiment chic de ta part, Lily. T'es vraiment super sympa. J'oublie tout le temps que tu viens de débarquer à Alola X3DC. Je peux vous accompagner? Faut que je m'achète un truc à manger, j'ai trop faim. Avec joie, allons-y tous ensemble. Ok, trop bien. C'est comme une mini-aventure. En avant toutes, ouais. Ok, le mec il s'enjaille. Ok, donc le mec il part, il fait coucou, puis il repart. Ok, quelle énergie ce Chili. Ouais, c'est vrai. Allons-y, X3DC. Rendons-nous à Eka Eka, la plus grande ville d'Alola. Allez, c'est parti, j'arrive. Waouh, il fait nuit, c'est joli. Eka Eka, plage. Waouh, trop stylé. Avec la mer et tout, là. C'est cool. Un Ramolos. Ok, donc la meuf, il fait nuit, elle va se baigner comme ça. Comme s'il faisait jour. Tout à fait normal. Trop bien, la mer. Doudoudou. Hé, hey, toi, là-bas. À voir ta tête, tu m'as pas l'air d'être du coin. Viens, je vais t'apprendre un truc important. Je vais t'enseigner le salut traditionnel d'Alola. Répète après moi. Alola! Le mieux pour t'intégrer, c'est d'utiliser des statues locales. Je reçois encore un appel, ça m'énerve. Pourquoi j'ai que des appels aujourd'hui? Pourquoi? Où est le problème? Bon, j'espère que c'est pas important. Ok, donc là, il y a une Pokéball. Ben, justement, voilà, on a trouvé une Pokéball. Super. Salut, toi. Les Goélises inondent le ciel de leur présence et le sol de leurs excréments. Ah, que la nature est belle. Ouais, c'est vrai. On peut aller dans l'eau, cool. Wouhou. Yeah. Salut. Un autre à la mer et voilà le travail. Hé, hey, c'est pas parce qu'ils sont tous mous qu'il faut les balancer. Pauvre cocombaf. Ah oui. Lance des Pokéballs plutôt. Ah oui, c'est ce Pokémon là. Baf!
Ok. Ok, donc, boum, les Ramolos sont du genre à aller à leur propre rythme. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont le talent tempo perso qui les empêche d'être confus. Sinon, Ramolos, tu veux bien dégager 2 minutes? La violence. Violence. Bon, voilà, on a exploré toute la plage. Allez, du coup, on va aller là-bas. Que nous dit le Motismadec, justement? Ben, il nous dit d'aller ici. Allez, c'est parti. Eka, Eka, zone commerciale. Oui, explorez-y. J'ai reconnu le bruit de tes pas. Ok, donc, ouais, d'accord. Alors, Eka, Eka, c'est trop bien, non? Alola, c'est vraiment extra. Oh! Suis-moi, j'ai une idée géniale. Dites, madame. Non, dites, madame. C'est vrai que vous donnez un cadeau aux gens qui ont un motismadex? Ma foi, oui. Vous êtes très bien renseigné. Peu de personnes ont la chance de posséder un motismadex. Mais nous avons effectivement une fonctionnalité supplémentaire disponible pour ces heureux utilisateurs. Le Pokéscope. Cool. Trop bien. T'entends ça, Explodessé? Un Pokéscope. Trop stylé. Mais ça sert à quoi, un Pokéscope, en fait? Le Pokéscope est un outil permettant de prendre les Pokémon en photo. Il ne fonctionne pas pour partout, mais Motisma saura vous indiquer les zones où vous pouvez l'utiliser. Tenez, je vais vous lire les instructions. Appuyez sur le bouton R et touchez Motisma avec votre stylet. C'est simple comme Alola. Waouh, c'est drôlement pratique, le Motisma Dex, t'es pas d'accord, Explodec? C'est un outil aussi important que tes Pokémon. Ah, mais attends, le Motisma Dex contient un Motisma. Du coup, il fait un peu partie de ton équipe, non? Ouais, c'est compliqué quand même. Bref, je pars devant. À plus. Ouais, c'est vrai, ça, on a un Motisma dans notre équipe. Et ouais, et ouais. Imagine tous les petits bouilles de Pokémon que vous pourrez capturer avec le Pokéscope. Mais moi, je veux capturer plutôt un Pichu. Donnez-moi un Pichu, s'il vous plaît. Je veux un Pichu. Quand j'en aurai un, ce serait tellement la foire. Il se prend d'essai, Chili. Comment ça s'est passé à l'office du tourisme? Nickel, on a amélioré le Motismadex. Maintenant, on peut prendre des photos. Oh, vraiment, ce petit Motisma est formidable. Oh, il est là. Clic. Qu'est-ce que... Haha, c'était quoi, ça? Bon, on s'en fiche, je crois d'essai. Faut que tu fasses découvrir un truc super. J'arrive. Je crois que Motisma brûle d'essai ses nouvelles fonctionnalités. Quant à moi, ma foi, je vais aller faire un peu de lèche-vitrine. Ok. On va faire du lèche-vitrine. Si t'as pas d'argent, tant pis pour toi. Salut, dresseur. C'est un bien bel appareil que t'as là. Si tu ne sais pas te servir de ton Pokéscope, laisse-moi donc éclairer ta lanterne. C'est cool, hein, ils expliquent un peu de partout. Tu vois ce mur fissuré, tu peux y prendre des photos de Pokémon. Tiens, t'as vu, Motisma a réagi, touche-le pour voir. Utilise ton Pokéscope dès que l'icône change et appuie sur le bouton R. R. Vous avez activé le Pokéscope. Wow, un Pikachu, on peut le capturer? Je le veux. Oh, je veux. Tu peux changer l'angle de... Profites-en pour observer les alentours sous plein d'angles différents. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton R ou le bouton A au bon moment et c'est dans la boîte. N'oublie pas, tu peux prendre entre 1 et 6 photos chaque fois que tu utilises le Pokéscope. Wow, trop stylé. Oh cool, moi je veux capturer Pikachu. Quel talent. Moi, je veux capturer Pikachu. Vas-y, on peut pas. Tu as déjà pris au moins une photo. Veux-tu quand même arrêter? Oui. Je m'en fous. C'est bon. C'est dans la boîte. Pense à prendre des Pokémon en photo quand ils sont de face, surtout. Et prends tout plein de photos. C'est encore le meilleur moyen de faire des progrès. Ok.
Bon, les gars, on va faire, allez, vite fait, on va un peu avancer, puis après je pense qu'on va se laisser là, parce que mes derniers épisodes ont quand même duré assez longtemps. Oh, on peut changer nos vêtements, je crois. Oh, c'est toi, ExproDC. Je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que c'est toi qui choisis tes vêtements? Ben, moi, c'est pas ma mère, mais... Ouais, bien sûr. Je vois. Je suppose que la plupart des gens choisissent eux-mêmes leur garde-robe. Pour ma part, j'ai toujours porté que ce que ma mère me disait de porter. Du coup, je ne disais pas trop quel genre de look... quel genre de look m'irait. Ah, au fait, ExproDC. Désolé, il y a la batterie, hein. Ah, au fait, ExproDC. Ils m'ont offert ça à la boutique de vêtements. Je n'ai rien acheté, mais j'ai quand même eu le droit à ce cadeau, comme j'étais à apparemment la 99 999e cliente de leur boutique. Vu que j'ai déjà la même chose chez moi, je me suis dit que ça serait plus utile. Elle m'a donné un truc. Vous recevez la boîte lentille. Ok, ça sert à quoi? Et puis comme ça, ça nous fera une chose en commun tous les deux. Ok, on a une chose en commun, d'accord. Moi, je veux changer de vêtements, vas-y. Grave, même si on est trop stylé comme ça. Là. Je veux voir ce qu'il y a. Salut. Babaf. Non, je vais reparler. Moi, je vais te parler à toi. C'est pratique, je peux choisir des habits pour être raccordé avec mon Pokémon. Bon, on va parler à la caissière. Bienvenue, achetez. Oui, on va changer de vêtements, les gars. Oui. Hop, ok, donc, débardeur blanc, débardeur noir, débardeur rouge, jaune aussi, orange. On a quoi d'autre? Rose, beige, blanc. Là, c'est des t-shirts, ok. T-shirt rouge. Tac, orange. Moi, vous savez quoi, je vais déjà prendre le t-shirt rouge, voilà. Donc le rouge, c'est ma couleur préférée, du coup, je prends un t-shirt rouge. Allez, oui. Allez, hop. Merci, si vous voulez changer, la cabine d'essayage est juste là. Ensuite, les pantalons, pantacourt. Ouais, non, c'est pas... C'est... Il faut que ce soit plus coloré, pas que du rouge. Y a pas genre... blanc, je sais pas. Est-ce qu'on prend blanc? Bah, vas-y, allez. Ok. Tac. Et maintenant, les chaussures. Chaussures basses bleues, noires. Ça change même pas. Ah non, c'est les chaussettes, d'accord. Les chaussettes, on s'en fout. On va mettre noir. Ça, c'est quoi, j'ai même pas envie d'acheter. Aucune paire de chaussures disponible. Ah. Chapeau. Est-ce qu'on... Non, on va garder notre casquette. Je préfère avoir une casquette. Allez, B. Souhaitez-vous porter votre tenue? Oui. Voilà. À bientôt. Yeah, on est stylé, mec. Ah, je me trouve trop stylé, vas-y. Cool, c'est cool. Tant que j'aime bien mon perso, ça me va. Ok. Faites le bon choix et entrez chez Alola Mode. Parce que nous aimons nos précieux clients. Laissez-moi vous offrir ce joli mouchoir. Un mouchoir soie. Cool. Bien fait de lui parler, elle. Donnez ce mouchoir soie à l'un de vos Pokémon. Vous augmentez la puissance de ses capacités de type normal. Ouais, je m'en fous. Je m'en fous totalement. Un petit tour chez le coiffeur avant une bonne séance de shopping. C'est ça, la vie. Yeah, on peut choisir. Yes. Yes, mais yes. Alola. Alola. Ici, on apporte un peu de bon goût à ta tignasse. Tu veux une coupe? Une coloration? Dans tous les cas, tu as sonné à la bonne porte. Cheveux mi-longs, très courts ou tressés, plaqués, rien n'est possible pour nous. On peut aussi te faire une coloration si ça t'intéresse. Alors, impressionné? On se laisse tenter par un relooking? Ou est-ce qu'on n'est pas bien comme ça? Je sais pas, allez, oui. Allez. Une coupe, une couleur. Est-ce que j'ai envie de laisser la coupe? Elle est bien, j'aime bien sa coupe, cette coupe. Allez, une couleur. On va essayer de changer la couleur. Une couleur, ça roule. Ça fera 2000 poké dollars. C'est cher quand même, hein. Allez. 2000 quand même. Bon, on y va.
Laisse-moi prendre tes affaires. Et donc, tu fais quoi dans la vie? Ah oui, le tour des îles, c'est bien ça? Je l'ai fait aussi avec mon partenaire il y a quoi, 5 ans maintenant? Ok. Pour ce qui est de la couleur, tu as une idée? Alors, noir? Ah mais il montre pas en fait. Blond, brun, châtain cendré, châtain clair, châtain platine. Acajou rose. Je sais pas. J'ai envie d'essayer blond platine. Vas-y, j'essaye. J'aime bien être comme ça, c'est drôle. Blond platine, ça marche, je vais me préparer. Assez blablaté, au travail. Qu'est-ce que ça donne? Laisse-moi juste préparer la couleur. La 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 la. Ah, c'est bien fait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais. Bon, vous savez que... Non, en vrai, ça rend bien, en fait. Enfin, de près, moi, j'aime pas trop, mais... Non, ça va, en vrai, ça rend bien. Bon, vous savez qu'on va laisser comme ça, c'est bon, on va pas se plaindre. On va pas repayer 2000 Poké-Dollars, on s'en fout. De toute façon, c'est bien comme ça, allez, voilà. Goodbye. C'est bon, on se casse pas la tête. Bonjour, toi. J'ai lui fait... Ok. Je crois que j'ai loupé une personne pour parler. Ah non, attends, toi, t'es déjà... Ok. Bon. Il y a un centre Pokémon. Est-ce que notre Pokémon est soigné ou pas? Mais c'est quoi ça? Ah, ok. Mince, j'ai fait B. Oh, le nul. Est-ce qu'il est soigné? Oui, il est soigné. Du coup, pas besoin de d'aller au centre Pokémon. À part s'il y a des objets intéressants, on va voir ça. On va aller voir ça. Ah, cette fois, il y a deux vendeurs. Bienvenue à la boutique Pokémon. Que désirez-vous? Acheter. Alors, vitesse, tac, 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 muse, précision, défense plus, quitter. Bon, ça, on s'en fout. Souhaitez-vous autre chose? Quitter. Et on va voir lui. Qu'est-ce qu'il vend? Bienvenue à la boutique Pokémon. Que désirez-vous acheter? Alors, Pokéball, position. Et ouais, ils vend pareil, en fait. Ouais, c'est pareil. Ça, y a rien qui a changé. Quitter. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Il y a plus de personnes. On va aller parler à tout ça. Puis après, je pense qu'on va se laisser ici. Bienvenue dans ce qu'on est. Maintenant 20h. J'ai gavé. Qu'allez-vous prendre aujourd'hui? Rien, merci. Et toi? J'ai appris un truc trop bien aujourd'hui. Si un Pokémon utilise une capacité de même type que lui, il infligera plus de dégâts. Gars. Elle est débile ou pas? Et toi là, t'es un dresseur non? Il y a une super jolie fille ici qui a besoin d'aide. Là, je vois pas. La jolie fille par ici. Que puis-je faire pour vous? Bravo, tu as compris que la jolie fille c'était moi. Haha, je suis tellement sublime. Oh, subtil. Tu te calmes hein? Bref, voilà mon problème. D'où tu viens? Ça suffit. Peut-être d'être jolie, mais dans les endroits civilisés, une fille a besoin de plus pour se faire remarquer. Elle doit tout le temps faire preuve de légèreté. Ok, d'accord. Je retiens ça. Tu comprendras, Itekev. Enfin, pas de légèreté en termes de poids, hein. C'est une expression. Du coup, je voulais étudier les Pokémon pour voir comment ils font eux. Alors, j'ai fait mes recherches et apparemment, on fait difficilement plus léger qu'un Boudrive. Comme Pokémon. Il y en a plein dans le cimetière. Des Kaika. Et à ce qu'il paraît, tu pourrais aller en attraper un et l'enregistrer dans ton Pokédex. Tu ne peux pas le rater. Ils sont tout ronds et sont légers. Montre-le-moi et tu ne le regretteras pas. Ok. Ok, donc je retiens, ok, j'essayerai de capturer un Baudrive, on verra. Et toi, tu connais les Pokémon dominants? Haha, passe donc l'épreuve et tu comprendras de quoi je parle. Ça me dit quelque chose? On peut changer les Pokémon en un rien de temps, avec la connexion rapide, trop bien. Allez, on refait un échange, je veux trop ton Psycho-Quack. Ok. Bon, ben on va un peu continuer, puis après on va s'arrêter là. Toi, bonjour. On dit que les voyages forgent le caractère et je ne peux qu'être d'accord. Tu fais le tour des îles, n'est-ce pas?
Alors prends ça pour la route. Yeah, il nous donne un truc. Soin bol, cool, merci. Une soin bol. Quand tu attrapes un Pokémon avec une soin bol, il récupère tous ses PV et ses altérations de statut. Se dissipe, c'est super, non? Ouais, c'est bien. Allez. La Team Skull rôde encore du côté du port, mais j'ai prévenu le capitaine. Comme on dit, l'oisiveté est la mère de tous les vices, et ils en sont bien la preuve. Ok, ils sont bizarres leurs phrases. Donc, moi en fait, pourquoi je dis la Team Skull? Parce que, bah en fait, d'habitude je dis la Team Skull, mais la Team Skull, je sais pas, j'ai eu un réflexe de dire la Team Skull. Du coup, je vais re-apprendre à dire la Team Skull, parce que je préfère dire la Team Skull que Skull. Je sais pas, c'est bizarre. Donc, la Team Skull, ce n'est qu'une bande de loupards. Ils passent leur temps à agresser les gens et leur voler leurs Pokémon. Ouais, la Team Skull, donc c'est les méchants hein, du jeu. Il paraît qu'ils n'arrêtent pas de s'infiltrer dans les lieux de l'épreuve pour tenter de shipper des Pokémon et les revendre. Ils ne parviennent jamais à leur fin, cela dit. Ok. Bon, du coup, les amis, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et vous dites ciao pour une prochaine vidéo. Ciao !